Violence du silence, d'après une histoire vraie. Film produit par l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir, FDFA. Anne, avec la voix de Nicole Croisille. Une jeune femme trisomique entre chez elle, met une jolie robe et des bijoux. Elle regarde par la fenêtre. Je m'appelle Anne. J'ai 20 ans et je suis triso. Ou disons idiote, ou encore face de singe, baveuse. Et pourtant, j'ai 20 ans et j'aime rire, manger et me promener comme toutes les filles de mon âge. Je suis française et j'aime Chérif. Il m'aime. Enfin, il m'aimait. Je suis partie au pays, comme il dit, avec lui. Et je me suis mariée là-bas. J'étais belle, dans mes vêtements traditionnels. La fête était magnifique, un conte de fées. Tout le monde m'entourait, me félicitait. Puis, je suis revenue en France. Là, tout a basculé. Je me retrouve enfermée, battue par le père de mon mari. Cet homme me tripote, me viole. Je ne peux rien dire, il dit que je mens. Qui me croirait? Ou plutôt, on fait semblant de ne pas me croire. Grâce à notre mariage, mon mari va avoir ses papiers pour rester en France. Il me dit qu'après, il me jettera à la poubelle, qu'il déchirera mes papiers et qu'il me tuera. Il n'aura plus besoin de moi. Voilà. Je suis triso. Belle, mais battue, violée, parfois brûlée avec des cigarettes. Il faut que je dise que j'aime Chérif, sinon il me frappe. Il m'a cassé le bras cette semaine. Je suis à l'hôpital. Qui peut me sauver ? Écoute violence femme handicapée. 01 40 47 06 06. Ce film a été réalisé grâce au soutien financier de la MNH. Réalisation Catherine Cabrol, image Virginie Pichot, montage Pierre Friaucourt, voix audio description Pierre Yesler, mixage Teddy De Guis. Maudy Pio, présidente de l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir FDFA, remercie chaleureusement toutes les personnes et institutions qui ont collaboré aux violences du silence, et particulièrement Nicole Croisille, chanteuse solidaire, et le Centre Hubertine Auclair, centre francilien de ressources pour l'égalité femmes-hommes, pour son accompagnement.